Alors faute ou pas faute? Bien sûr qu'il y a faute. Il y a faute. Il vient le charger dans le dos. Il joue même pas le ballon. C'est impossible qu'il joue le ballon. Voilà, il déséquilibre l'adversaire, c'est pénalty, c'est complètement justifié. Histoire de pénalty, mercredi en Coupe de la Ligue au Havre. Ce pénalty là n'était pas vraiment existant mercredi soir. Là en revanche, il est indiscutable. Sauf s'il arrête le pénalty. Alors Koufré qui a déjà marqué un pénalty cette saison et qui va peut-être en réussir un autre. Oui, en force. Et ça fait 2-1. Duchesse battue, la première fois depuis 4 matchs que Rennes encaisse un but. Ouais, il était parti du bon côté sur ce pénalty. C'est un pénalty à mi-hauteur, c'est quand même plus facile pour les gardiens. Malgré tout, il y avait de la puissance. Son troisième but cette saison à Leandro Koufré. Il avait réussi un pénalty contre Nice cette année. Et ça fait 2-1.